Tadiha, bienvenue les maniaques du chinois. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des voyages en Chine. En fait, on va parler précisément des voyages de Franck en Chine parce que il voyage beaucoup quand même. Je trouve qu'il a beaucoup d'expérience en termes de voyage dans les villes de Chine et de ces petites villes-là qu'il y a en Chine. Donc, on va parler de ces différents voyages-là ensemble, les astuces que Franck a, comment il achète ses tickets, comment il fait tout ça. Donc, on voit ça dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à déposer ou à laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Je pense que c'est tout. Donc, maintenant, et aussi, avant cette vidéo-là, nous avons fait une vidéo précédente sur la vie en Chine et ses réalités. Donc, si vous ne l'avez pas vue, on l'a fait avec Franck. Vous pouvez aller la regarder. Elle est juste avant celle-là. Donc, Franck, pourquoi voyager autant? Ou quelles sont d'abord les villes que tu as déjà faites ici depuis que tu es en Chine? Bon, depuis que je suis ici en Chine, j'ai parcouru au fait Shanghai, Beijing, qui est Pékin, Guangzhou. Je suis allé à Chengdu, Chengdu, Fushan, Tianjin, et voilà, et Hangzhou aussi. Voilà, c'est une ville que j'ai visitée, que j'ai eu le plaisir de visiter, une très belle ville. Voilà. Ok, donc vous voyez, il a quand même beaucoup voyagé, il fait quand même beaucoup de villes, et tu continues toujours dans cette lancée-là. Bon, en fait, la visite d'une ville dépend de l'intérêt que tu as, que tu pars poursuivre là-bas, en fait. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire dans ces villes-là? Bon, par exemple, quand je suis allé, par exemple, pour la première fois à Guangzhou, c'était, j'allais visiter quelqu'un. Il y a une des sœurs qui était venue ici, alors je me suis dit que bon, pourquoi pas aller, voilà. C'était la première fois que j'ai fait un déplacement. Bon, c'était vers Guangzhou, je suis allé rencontrer l'une de mes sœurs, voilà. Ok. Et donc, à chaque fois, il est arrivé en fait que tu sois tombé comme ça et tu as trouvé une raison. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, un coup comme ça que let's go, allons-y, juste voilà, voyager comme ça? Ça nous est arrivé pendant les vacances que non, on n'a rien à faire et pourquoi pas aller se promener dans une ville proche de notre ville, parce que nous, je suis à Nanjing présentement et on s'est dit que ah, Shanghai est tout près de Nanjing. Donc, on a pris les tickets, c'était quelque chose qui nous est venu comme ça à l'idée, voilà, on est sorti avec des amis, on est parti pour se promener, voilà. Arrivé à Shanghai, on a fait un autre point vers Hangzhou. Et du coup, comme ça, juste par un coup de tête, et puis vous avez décidé de voyager. On a passé une nuit à Hangzhou, et puis nous sommes rentrés les jours suivants à Nanjing. C'était intéressant, c'était un très bon parcours. Voilà, et donc tout ça en fait pour vous dire en fait ou pour expliquer en fait que c'est tellement facile de voyager en Chine et c'est tellement facile de déplacement en Chine que tout de suite d'un coup en fait si vous avez une idée, si vous dites que bon je suis fatigué d'être là maintenant, vous pouvez faire un aller-retour en fait dans une ville où, le matin vous pouvez vous retrouver aujourd'hui à Nanjing et puis à midi vous êtes à Hangzhou ou bien vous êtes à Hainan et puis vous revenez le soir quoi. Et c'est vraiment dans la culture chinoise en fait de faire ce genre de voyage là. Exactement, voilà. C'est des places beaucoup, surtout quand quand il y a des fêtes, par exemple des fêtes nationales ou bien des jours de nouvelle année. Voilà. Oui, c'est des places toujours pour aller fêter dans la famille et ils sont toujours, c'est dans leur culture en fait. C'est dans leur culture en fait de se déplacer ou bien s'il a un petit temps, s'il voit que il a un long week-end, un week-end de 3-4 jours. Un Chinois préfère en fait quitter, par exemple, on va pas dire la grande ville parce que toutes les villes sont grandes, mais il préfère quitter en fait la ville où il travaille ou la ville où il se trouve pour retourner en fait dans sa ville natale, en fait, pour aller passer du temps avec ses parents, passer du temps avec la famille. Et donc, c'est pour ça en fait qu'ils ont maximisé vraiment sur les moyens de transport, les moyens pour se déplacer en fait. C'est vraiment tellement facile et il y a tous les moyens possibles pour se déplacer rapidement. Et je ne sais pas, tu as déjà voyagé en avion et tu as déjà annulé un billet d'avion et puis reprendre encore un autre billet d'avion l'heure qui suit? Voilà, j'étais face à une contrainte une fois. C'était, je devais partir pour une urgence vers Guangzhou parce que il y avait un cousin qui était aussi venu. Alors, je devais partir parce qu'il devait rentrer très tôt. Alors, je devais le voir. Alors, il s'est fait que
j'ai acheté un billet d'avion. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un billet vers la nuit qui était moins cher et j'ai annulé. Voilà, donc j'ai payé celui-là. Et donc, les billets souvent de la nuit sont moins chers, alors j'ai préféré voyager la nuit carrément. Ok, et c'est tellement facile d'annuler. Par exemple, on était à l'aéroport, on avait un ami vers 11h, on lui dit qu'il devait voyager pour aller à Harbin. Je crois que tu connais Josué. Donc, il devait aller sur Harbin. On lui dit ça, qu'il devait être à Harbin, je crois, dans l'après-midi ou dans la nuit, quelque chose comme ça. Et il prend son billet d'avion à 11h et pour 14h. Et à 14h, il rate son avion. Donc, il rate son avion de 15 minutes. Et puis, il a simplement annulé son billet d'avion sur place. Et puis, voilà quoi. Et je crois que le billet, il était à 900 yuan comme ça. Et il a annulé. Et pour annuler, on lui a pris 100 yuan. Mais le prochain billet d'avion qu'il avait trouvé était à C'est moins 700 yuan. cher. Vous avez vu? Donc, en fait, il a largement. Il n'a rien fait en fait. Il n'a rien perdu. Il n'a rien gagné. Il a juste annulé un billet d'avion sur le coup. Et il a eu un autre billet d'avion dans l'heure qui a suivi. Et c'est ça. Et puis aussi, il y a des TGV en fait. Si on parle aussi des TGV, il y a aussi les trains rapides. Ce qui fait que chaque heure, chaque 30 minutes, chaque 25, 45 minutes, il y Voilà. a. Bon, pour les TGV, ça dépend des distances parce que c'est un moyen de transport qui est un peu cher. Par exemple, quand tu fais Shanghai, c'est un peu moins cher et c'est abordable. Mais quand tu vas un peu plus loin, par exemple, quand tu prends Shanghai, ça devient un peu cher. Mais c'est un moyen qui est beaucoup plus confortable. Surtout quand Voilà, tu c'est prends. confortable. Parce que là, tu peux même avoir le temps de charger ton téléphone. Il y a Il y a des des prises, prises donc dans le c'est énorme en métro, fait. dans le Il y a un TGV. Voilà, TGV c'est dans aussi. vraiment à l'aise et tout. Donc, prochaine question. Quelles sont tes astuces pour acheter des tickets de transport? Des tickets pour voyager? Bon, en fait, nous avons ici en Chine une application qu'on appelle WeChat ou Alipay ou encore d'autres comme Booking. Non. Il y a sur ces sites-là, on peut facilement acheter les billets d'avion ou encore les tickets de train. Et donc, c'est sur ces sites-là que j'achète et je compare. Par exemple, si tu veux partir pour les trains, les prix sont souvent fixes. Par train, les prix sont fixes. Mais pour l'avion, tu peux comparer quand est-ce que tu peux voyager et comment est-ce que tu peux partir au moment abordable pour que l'argent ne soit pas un peu beaucoup, tu vois. Tu peux choisir le temps idéal. Et généralement, quand tu bookes ton billet un peu une date ultérieure, c'est-à-dire loin du jour où tu veux voyager, c'est moins cher. Que par exemple, si tu veux voyager aujourd'hui, tu achètes des billets aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai remarqué l'expérience ici avec les Ok. Et billets. maintenant par TGV. Par TGV, il y a deux types de Voilà. trains. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, il y a deux types de trains. Il y a les trains lents et les Il y a trains le train lent. qui est un peu. Vous savez, Bon, il y a des trains qui peuvent let's faire. talk about that. Est-ce qu'on peut parler à propos des trains lents en fait? Pourquoi choisir ou pourquoi ne pas choisir les trains lents par rapport aux trains rapides? En fait, les trains là, l'avantage c'est que c'est moins cher. C'est moins cher. Et c'est Mais. vraiment moins cher. Oui, C'est-à-dire mais. qu'un ticket normal, par exemple pour Nanjing-Shanghai, ça peut être à combien en train C'est rapide? juste 48, En 48 yuans. train rapide. Et en temps c'est 88 yuans. En train rapide, en TGV? Oui, Moi, je 80. paye toujours mon ticket à 140 yuan. Bon, parce que je le prends Bon, souvent, ça mais. dépend aussi. Il y a un temps rapide qui est à 88 et l'autre à 100, quelque chose comme ça. Je C'est le prends à. 2 heures, je crois. C'est 2 heures, je le Voilà. prends à 140, 144 souvent. Voilà. Maintenant, celui de 80, c'est à combien? Ça C'est peut être dans les quel? 3 heures, en fait, Dans disons. 3 heures à Voilà. 80. Bon, je sais pas si je me trompe. Et maintenant, le train lent, c'est. Parlons du train lent, tous les désavantages et les inconvénients, les avantages et les inconvénients. Bon, moi je peux parler des avantages d'abord qu'il y a avec les trains quand tu fais une très longue distance, parce que ça m'est arrivé que quand je partais à Beijing, j'ai utilisé les trains lents. Et ces trains-là, c'est que tu es assis de manière un peu inconfortable pour des très longues heures. Et des fois, il nous est arrivé au moment où nous partons par exemple à Beijing avec des amis pour la première fois, et on était sur un train lent. On n'avait pas où dormir, on était assis pour 24 heures, imagine. Assis pour 24 heures et dans Imagine. des conditions où les Donc, chiffres. Vous avez été 24 heures assis. vraiment, c'était pénible, je t'assure, c'était pénible. Donc, maintenant, à part ça, tu as eu une autre expérience, genre du train lent. Ce que moi, j'ai. Bon, personnellement, moi, j'ai dit que
je vais jamais prendre le train, non, parce que rien qu'entendre ce que les gens disent, vraiment, c'est compliqué le fait de rester plusieurs heures. Par exemple, en TGV, en train rapide pour aller à Shanghai, vous prenez 2 heures de temps. Mais en train lent, c'est 5h40 ou 5 heures de temps comme ça. Imaginez-vous 5 heures de temps en être assis et en fait sur une chaise droite et vous restez comme ça. Exactement, c'est un Et... peu pénible. Il y a même des fois ceux qui choisissent d'être debout. Imagine, toi, tu fais Et 4 voilà, heures et dans le debout. train lent, il y a des places debout. Donc vous payez le même prix en fait Oui, mais que tu es ceux qui sont debout. assis, mais vous restez debout pendant 4 heures de temps. Et ne vous imaginez pas que vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner un siège, que asseyez-vous Bon, ou... peut-être si tu trouves qu'il y a un siège vide et quelqu'un qui n'est pas Voilà. entré, là, tu peux être chanceux. Voilà. Mais les cas où il s'est plaint, tu restes debout vraiment. Voilà, pendant 4 heures, pendant 5 heures de temps. Et souvent même pour les gens qui vont vers souvent Guangzhou ou dans les villes commerciales ou dans les villes en fait où il y a beaucoup d'agriculture, des choses comme ça là, ils se retrouvent avec des poules dans Ah, le... imagine, c'est trop Des embarrassant. poules, des porcs, de la marchandise en fait dans le train, non? Parce qu'il y a aussi des zones en fait où il y a ce genre de trucs là en fait. Donc, c'est ça. Il y a autre chose à dire? Je Voilà. pense. En fait, on n'a pas parlé de difficultés. Des difficultés. Oui, des difficultés pendant les voyages dans le train, non? C'était ça? Non, Ou des dans... difficultés en général? Bon. Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Voilà, j'aimerais aussi parler du fait que il est un tout petit peu difficile, tu vois, quand on se déplace, par exemple, dans les villes où on part visiter, il y a des difficultés qui résident sur les hôtels, par exemple. Oh, exactement. Ça Comment n'a tu pas fais pour parlé. les hôtels? Quand tu vas, Voilà. est-ce que tu prends en avance ou pas en avance? Moi, j'ai une amie qui dit souvent que le McDonald's, c'est la source sûre. Donc, quand tu voyages, qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a rien, tu vas dormir au McDo. Donc, ça reste toujours ouvert. Et puis, à 6h du matin, tu continues à faire ce que tu as à faire. Donc, ça, c'est vraiment pour le cas d'urgence, en fait. Mais, et puis pour aussi l'aventure. Mais maintenant, comment vous faites pour les hôtels? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous héberge? Comment ça se passe? Ouais, déjà, je veux dire que quand nous sommes partis en voyage avec des amis, on s'est buté à un problème des hôtels, parce que nous sommes arrivés un peu tard dans la nuit, alors il fallait chercher l'hôtel qui pouvait nous accepter, parce que tous les hôtels ici en Chine n'acceptent pas les Voilà. internationaux, tu vois. Il y a un groupe réduit des hôtels D'hôtels en qui fait acceptent les qui étrangers. acceptent les étrangers. Alors, on a dû marcher pour se trouver un hôtel. Ça, c'était la première chose qu'on a expérimenté, qui était un peu, quelquefois, un Voilà, peu embêtant. compliqué, On vient dans un difficile. hôtel, on dit que non, on ne prend pas les étrangers. Voilà. Voilà. Et ma deuxième expérience, c'est quand je suis allé à Shanghai. Alors, je devais passer une nuit à Shanghai. Alors, je voulais un hôtel parce qu'il s'est fait que je devais dormir pour une urgence, en fait. Alors, j'ai dû chercher, cette fois-là, un hôtel à partir de mon téléphone, parce qu'il y a possibilité de trouver des hôtels à partir du téléphone. Tu Tu attends sur WeChat, t'enregistres voilà, simplement, on tu appelle ça cherches l'hôtel, Booking, tu vois, tu book tu et bookes puis ta place là-bas et tu vas à l'hôtel voilà. facilement. Et vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Si vous voulez vraiment prévoir à la dernière minute ou quoi, que d'aller dormir au McDo, vraiment, le McDo, c'est le cas d'urgence extrême, en fait. Vraiment, si vous êtes en urgence, que vous savez que vous ne pouvez plus avoir un hôtel, vous ne pouvez plus rien faire, allez-y au McDo, ils ne vont jamais vous chasser. Exactement. Voilà, et c'est gratuit, et vous dormez dans C'est le ouvert 24 heures chauffage, sur 24. et voilà, c'est ça, en fait. Mais dans le cas contraire... Prenez votre WeChat, on a déjà WeChat, parlé de WeChat. Vous voilà. pouvez faire des bookings, réserver les avions, vos tickets d'avion, de métro, L'hôtel. de l'hôtel. Vous pouvez tout faire Donc c'est là-bas. une application qui est vraiment complète, qui te permet de faire tout ce qu'on vient de citer ici. Et voilà, ça comprend beaucoup de fonctionnalités, en fait. Ok. Donc, je pense que c'est tout, hein. Tu as autre chose encore à ajouter? Voilà, je crois que c'est tout, on n'a pas Voilà. parlé. Donc, c'est ça pour cette vidéo-là. Et. Si vous avez des questions à me poser ou à poser à Franck, n'hésitez pas à les mettre juste en bas dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Zaïtien!